amis, ça y est, c'est parti. Début du vlog en direction du Maroc. On part à Marrakech pour une semaine. On va essayer de vous faire partager tout ça. C'est parti. Pour l'instant, c'est l'autoroute cap sur l'aéroport. C'est un peu le voyage de la loose. Notre vol est reporté. On part de Toulouse en fait. Donc, on va faire 3 heures de bus pour enfin décoller vers Marrakech. Mais on garde le moral. Nous voilà dans le bus. Bordeaux-Toulouse. Et pour l'instant, le moral est bon. On tient le coup. Nous sillonnons les autoroutes du sud-ouest en direction de Marrakech. Parti, Rose est prête, nous partons pour Marrakech. Ce coup-ci, c'est la mort. Maintenant qu'on est devant la porte d'embarquement, je l'ouvre. Ouais. C'est parti. Les amis, cela fait 8 heures que nous avons quitté notre maison. Alors que nous sommes à 1h15 de Toulouse normalement. Donc voilà, nous pourrions être à New York à l'heure qu'il est, mais non, nous ne sommes qu'à 1h15 de chez nous. Enfin bref, on va pas tarder à décoller. C'est parti, une super épopée quand même. À Sydney et à Marrakech. Une petite aventure avec mon drone qu'on m'a confisqué à l'aéroport. Donc dans ce vlog il n'y aura pas de film avec le drone, donc je le retrouverai en repartant. En fait les drones, il faut vous le savoir, c'est bon à savoir, sont interdits au Maroc. En tout cas quand vous arrivez avec ça dans vos valises, on vous le prend et on vous le rend quand vous repartez. Voilà, donc ça c'est la petite contrariété en arrivant. Maintenant on est là et on va faire la petite tradition. Dans la famille, on a une tradition, on saute sur les lits quand on arrive dans un hôtel. Julou, je te laisse essayer. Attention. Alors en fait, c'est un hommage à un youtubeur qu'on suit, Ichiban Japan, qui vit au Japon et qui fait plein d'hôtels et qui à chaque fois saute partout quand il va dans un hôtel. Voilà, donc c'est confirmé. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est bon. Il est très bien. Salut à tous. Voilà, ça y est, on est bien à Marrakech. Un réveil un peu difficile après une nuit agitée parce que, bon... On a eu quelques petites déconvenues pendant le trajet, ce qui nous a fait arriver à peu près à 4h du matin, française,
l'hôtel, ici en fait il était 3h, enfin on s'est couché vers 3h. Donc nuit courte parce qu'il faut qu'on aille déjeuner maintenant, mais enfin on est au Maroc, il fait beau, il doit faire une douzaine de degrés, le soleil se lève. Et je dirais le premier truc le plus étonnant quand on se réveille ici, c'est la fenêtre était mal fermée, c'est le chant des oiseaux qui au lever du jour, c'était un chant incroyable. Ce sont des oiseaux quand même différents de chez nous, pas exactement mais pas complètement. C'est rigolo, il y a des choses différentes, on se sent vraiment déjà ailleurs quoi. Voilà, donc aujourd'hui je sais pas, on est un peu crevés tous, on va peut-être se faire une journée calme pour cette première journée, mais enfin si on fait des choses intéressantes, de toute manière je ne manquerai pas de partager sur ce petit vlog. Bon, première journée à l'hôtel. Donc on est détendu, pas grand chose d'intéressant à raconter aujourd'hui. Donc bon, c'était calme, on s'est reposé, piscine. Et demain, on devrait faire de la visite. On va rentrer dans les petites ruelles de Marrakech. Ça devrait être beaucoup plus intéressant. Les amis, la palmeraie avec l'Atlas juste derrière, c'est la vue de notre hôtel. Yeah! Tapé! Première vraie nuit à Marrakech dans la palmeraie. Je vais mettre mon petit spot. Ce que vous entendez, ce sont les bruits de la nuit marocaine. Bon, on est au mois d'avril. C'est beaucoup plus animé que par chez nous. Donc c'est parti pour la visite de Marrakech, ville orientale et super dépaysante. Là, nous rentrons dans le palais Baïa, donc à visiter. Apparemment c'est en restauration, mais c'est un endroit très connu sur Marrakech, un peu incontournable. Nous rentrons dans la vieille ville, la Médina.
ça sent les épices et tout. Donc vous voyez, nous sommes en groupe, donc c'est pas évident de filmer comme il faut, mais bon. C'est difficile de filmer parce que ça grouille, il y a beaucoup de gens qui passent, c'est une grosse faune humaine, il y a des scooters, des vélos, il y a des odeurs d'épices. Les sauteurs d'épices et pas de pisse, quoique ça peut arriver aussi. Il y en a des fois. Donc les odeurs, les couleurs, franchement c'est super beau. Là, on se régale, c'est vraiment l'Orient tel qu'on l'imagine dans les contes des mille et une nuits. Apparemment on rentre dans le vrai souk. Le vrai souk artisanal, où on voit les artisans travailler. Le fer, le cuivre, divers matériaux. Donc on va essayer de filmer en passant rapide pour pas trop les déranger parce que quand on insiste un peu, c'est problématique. On continue la visite. Là, on est dans le palais du musée de Marrakech, qui est une ancienne demeure qui appartenait à. Alors, j'avoue, j'ai pas tout retenu. Je crois que c'était un ministre important du roi. Et qui a été construit au 19e siècle, je crois. Donc, gros bâtiment, grands espaces, c'est super beau. Avec ce fameux art marocain où il n'y a aucune représentation humaine ou animale, il n'y a que de la géométrie, des trucs à base de fleurs ou de végétaux. Et le reste, ce sont des écritures arabes. Voilà, donc c'est un mélange de tout ça. C'est du bois, du plâtre, et c'est super beau. Alors c'est un ancien riad, mais bon, riad officiellement, normalement c'est ouvert, on doit voir le ciel, mais le propre d'un riad c'est une cour intérieure avec un point d'eau, une fontaine au milieu, toujours, et avec une galerie qui fait le tour. Petit urbex au passage, nous sommes dans une galerie oubliée du musée de Marrakech, avec des gens oubliés. Ça communique avec le hammam, l'ancien hammam. Alors, au Maroc, on n'a pas encore eu l'occasion de voir le thé à la menthe dans notre vlog, mais on s'en est pas privé à l'hôtel. Mais le thé, c'est quelque chose de très important au Maroc, comme tous les pays arabes en général. Mais je viens de découvrir que l'arrivée du thé au Maroc ne date que du 17e siècle. Donc c'est hyper récent, oui, 17e, je viens de vérifier. En fait, ce sont les Anglais qui, en commerçant, ont amené du thé au Maroc depuis le port d'Essaouira. Au début, c'était très cher. Alors, je ne sais pas, il y a eu des effets de démocratisation au fil du temps. Et maintenant, c'est devenu la boisson un peu presque nationale. Quoi. On boit le thé à toute heure de la journée, à la menthe, avec du sucre ou sans sucre. Donc, vous en savez un petit peu plus sur le thé au Maroc. Mais il faut savoir que le thé, ça vient à la base d'Asie. Voilà. Donc, mais on va se boire du thé à la menthe très bientôt, vous verrez ça. Tout à l'heure. Et j'avoue que ça commence à sentir les odeurs des braseros, de la grillade. C'est parti pour un couscous tour dans Marrakech. Thank you.
Du marché. C'est parti. Can we have trim? On sort du souk là et on peut dire que c'était vraiment le souk, vraiment hyper dépaysant, une super expérience avec plein de trucs à voir. Et là on arrive sur la place Jemaa Fna, un immense endroit, je crois qu'on n'a pas vu la totalité encore. Voilà, nous sommes assis au resto. Ça fait du bien de faire une petite pause. Je m'approche parce que je ne sais pas si on m'entend bien. Il y a beaucoup de bruit. C'est parce que c'est l'heure de manger. On va faire un petit resto marocain avec des spécialités du pays. C'est le... Voilà, je vais vous montrer ça vivement parce qu'on commence à avoir faim. On devrait se régaler. Merci. Mais si, j'attends. Ah ouais, non. Okay. Avant, en Portugal, c'était pour ça. Moi, je me souviens quand on allait au marché. Super bon. Il y a des animaux. Il y a des animaux vivants derrière. Un couscous. Non. Le vrai couscous. Ah mais je les ai, j'ai pas vu de la. Des oranges à la cannelle. Non. Évidemment les amis. J'ai pas mon porte-monnaie. Un petit thé à la menthe. Le vrai.
Là, on est sur la place Gemma Efna, donc on sort du resto, on a le ventre bien plein. Bon, l'ambiance est un peu spéciale quand même, parce qu'on vous avait prévenu, mais il y a du niveau de la vente, des trucs à voir et tout, c'est presque du harcèlement. Et puis, les gens viennent de suite vous proposer les trucs, faut dire non, parce que sinon, on vous pose tout dans la main parce qu'il faut les payer. Et il y a des choses intéressantes, on voit des charmeurs de serpents, plein de choses. Le minaret silence qui tombe sur la place. Ouais, y'a une autre. Merci, merci. On a rendez-vous à la demi. Voilà lui là. On est sorti de la place Gemma Efna, on se dirige vers la mosquée principale de Marrakech. Là, tout bien ? Ici, Gogne. De la Casbah et on va voir les tombeaux saadiens. Notre quartier de Marrakech qui a l'air fort intéressant. La salle des rois des tombeaux saadiens. C'est frais. Voilà, ainsi s'achève cette deuxième journée complète au Maroc. Ça a été vraiment une journée exceptionnelle. On s'est plongé dans les entrailles de Marrakech comme jamais. Bon, faut dire qu'on avait un guide, donc ça facilite énormément la découverte. Donc, on a pu vraiment découvrir les entrailles de cette ville extraordinaire. C'est vraiment l'Orient tel qu'on l'imagine dans les fantasmes les plus incroyables, c'est-à-dire c'est presque Aladdin, quoi. C'est les charmeurs de serpents, les mystères du souk, les odeurs, les couleurs. Enfin, c'est extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est une très belle découverte. Je connaissais déjà la Tunisie, mais là, j'avoue que le Maroc, c'est quand même encore plus intense au niveau de l'expérience. Alors, j'ai juste un petit bémol. C'est la place Gemma Efna, qui est quand même un endroit très particulier, avec tout un folklore et des gens qui vous présentent leurs serpents, qui font la bonne aventure et autres tatouages au henné. C'est difficile de les approcher sans qu'ils vous demandent de l'argent, en fait. Donc il y a un petit malaise. C'est le seul endroit où j'ai pas été très à l'aise. Je peux pas trouver d'autres mots. C'est pas simple, quoi. Vous approchez des gens, on vous demande de l'argent dès que vous voulez faire une photo. Bref, on doit y retourner un peu plus tard dans le séjour, je crois en soirée. J'espère que les choses se passeront différemment. Mais après, sinon, pour le reste, franchement, c'était génial. Il est tard, on a fait une soirée tagine, cocktail et tout à l'hôtel. Donc, inutile de vous dire que je suis un peu claqué. Donc, je crois que je vais aller au lit parce que demain, on doit partir en excursion et découvrir les jardins de Majorelle d'Yves Saint-Laurent. Sont vraiment un endroit, je pense, à découvrir. Et d'après ce que j'ai pu regarder un petit peu, ça vaut vraiment le coup. Donc demain matin on se lève tôt et vous allez venir avec nous découvrir ces jardins, des magasins qui vendent des épices, etc. Donc grosse journée demain, il est temps d'aller au lit, les amis. Ciao.